comme Cachemire va mixer sur Fun Radio jusqu'à 19h30, je vous dis un secret, je vois sur la platine écrit Magic. Donc je pense que ce morceau, on va pouvoir l'écouter dans quelques instants sur Fun Radio. You're going to open your mix with Magic, right? I think he saw the CDJ. Tout à yes, fait, Jean-Luc, bien trouvé. Yeah. Il est fripon, JB. Il regarde les platines pour savoir à quoi il va démarrer. Bon, dans tes sons, on entend souvent des vibes indiennes, comme une nouvelle fois avec Bombay Dreams. C'est ton nouveau single. Est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec l'Inde? Once more in Bombay Dreams, we hear Indian influences in your music. Can you tell us about your relationship that you have with that country? Yeah, of course. Well, my dad is from Kashmir, which is just above India, and that's where I get my name, Kashmir. And my grandparents lived their whole life in India, so that's where I would go spend time with them. My dad came when he was 25 years old, so he still had a lot of his roots in India. And so, yeah, I just grew up going my whole life and understanding a bit about Indian culture because I'm Indian. Yeah, now actually I'm finally learning Hindi. I knew like a little bit, but now I'm really taking lessons. I think after my grandpa passed away, I always told him I was gonna like really study and get better. And so now I'm taking lessons. It's just, I feel like a little kid again. Yeah. En fait, donc le père de Cachemire, le père de Cachemire vient du Cachemire, qui est donc une région qui est juste au-dessus de l'Inde. Les grands-parents de Cachemire ont vécu là-bas toute leur vie, et son père est arrivé aux États-Unis quand il avait 25 ans. Donc Cachemire, il a quand même grandi avec toutes ces racines-là que son père avait, qu'il a gardé très très fortes avec l'Inde. C'est un pays où il va assez régulièrement, et il s'est mis hyper sérieusement à apprendre l'hindi. Quand son grand-père est mort, il lui avait promis qu'il le ferait pour de vrai, et ça y est, là, il s'est lancé hyper sérieusement. Il a l'impression d'être redevenu comme un gosse, à prendre ses cours pour apprendre à parler cette langue. Et du coup, quand on entend les sons de Cachemire, et ben voilà. Voilà, c'est la touche Cachemire. Ton show, il est hyper visuel. On l'a vu à Fun Radio ABC Experience. Et c'est pour ça que t'es nommé dans la catégorie Performance Live. Vraiment sur cette cérémonie. Il y a toute une histoire en vidéo si vous avez jamais vu Cachemire en mix. Comment ça se passe? Comment t'as créé toutes ces vidéos-là? Qu'est-ce que t'as voulu raconter comme histoire? You're doing such a special performance on stage. Like you have visuals behind you and you tell a whole story. Yeah. How did you make that up? Yeah, okay, so for the first year of Cachemire, I didn't perform live at all. I just was in the studio making music. And so finally, when it came time to perform, I knew I wanted to do something really special. And I came up with this idea to have an animated story in the show. Because my music was also cinematic, and I felt like it had a story. So I decided that at every show, there would be four parts where you see this animation, and by the end of the show, you would have the story complete, the good guy would beat the bad guy, and you would get this nice climax. And it would also give weight to all of the songs in the show, because after every story, it goes into a song, and the song sort of serves a purpose. Like, they have some work to do, and then it goes into Power, and it's a special version of my song Power with Hardwell that just fits with the story. So everything is very seamless, and it gives me a break also. Whenever the story happens, I get to sit under the DJ booth and drink a beer and wait for it to finish, yeah, and catch my breath, which is good, because I get tired easily. I'm old. Donc en fait la première année de Cachemire, il était que en studio tout le temps, et quand il a commencé à faire des performances live, il avait vraiment envie de faire un truc très spécial. Il trouve que sa musique est aussi très cinématographique, c'était hyper important pour lui d'avoir toutes ces images. Ça apporte du poids à ses chansons, ça raconte encore plus de choses, les gens comprennent tout, et ça lui permet aussi de se reposer, parce que quand il y a les images qui passent derrière, il nous raconte qu'il en profite pour se planquer un peu, boire une petite bière, et il dit qu'il se fatigue très vite parce qu'il commence à être vieux. Bon allez, 19h07, là on est dans la voiture, on sort du taf, on arrive à la maison. On veut du son, on veut du mix. Quel est ton premier morceau pour ton set exclusif sur Fun Radio? What is your first track, Cachemire? My first track is going to be my newest track. It's called Do Bad Well. Do Bad Well, le nouveau Cachemire. Are you ready? Oh, I'm very ready. Allez, très très prêt. 15-20 minutes de mix. En direct d'Amsterdam sur Fun Radio. Juste pour vous, c'est Fun Radio Amsterdam. Et c'est parti maintenant. Let's go. Some devils in heaven and some angels in hell. So promise me, child, when they pull you apart, you'll know which one you are. Yeah, my daddy taught me well. If you can't do good, better do bad well.
don't believe in miracles, flickers in the night. I know when something is worth it, I know how to fight. They never see the story, only wrong from right. It's just like you told me, oh, I still remember the night. Oh, my daddy taught me, well, there's some devils in heaven and some angels in hell. So promise me, child, when they pull your card, you'll know.
my best life. I don't know where it's taking me, and that's fine. At least it's what I make it, so I don't mind. Oh no, no, I don't mind. Oh no, 'cause nobody ever makes it out alive. So I'm living my best life.
7 de Cachemire en direct d'Amsterdam depuis le studio de Fun Radio pour cette semaine spéciale. Qu'est-ce que c'était cool. On termine avec Carry Me Home. Incroyable. Thank you, thank you so much, Cachemire. Thank you guys so much. Et alors, et il nous reste une minute. On a le temps de se remettre le début de son nouveau morceau qu'il a, il a commencé son set avec. He wants you to put back the first track that you started your mix with. Oh yeah? Just the first seconds of the track. Yeah, of course. Le nouveau track Do Bad Well, voilà. Allez hop, on se remet les This premières one, yeah. notes. Ça se passe comme ça, Amsterdam, on est sur That's les platines. That's me breathing, by the way. Boom. Rien que ce petit riff de guitare, c'est déjà un kiff. Le nouveau morceau de Cachemire, Do Bad Well. Vous l'avez découvert sur Fun Radio, vous pouvez le réécouter en podcast et sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Cachemire, on t'attend en France. See you soon in France. Yeah, of course. Thank you so much. Merci beaucoup à tout le monde. Cachemire était notre invité et vraiment restez là puisque dans quelques secondes, notre prochain invité ici à Amsterdam, Alex, il s'appelle Armin van Buuren. Ah là là là, c'est uniquement sur Fun Radio et nulle part ailleurs. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Marine, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Hey,